Salut à toutes et à toutes, c'est Axius, c'est parti donc pour une petite game avec Amumu Jungle. Ils ont une compo en face qui est plutôt pas mal gérée. Un Cho'Gath mid, on pensait qu'il allait aller top, mais le problème c'est que du coup bah, Katarina va il va juste se faire exploser quoi. Parce que Cho'Gath contre Katarina, Cho'Gath a légèrement tout pour interrompre l'ultime de Kata. Donc je pense que Katarina va être très légèrement dans la merde. Alors du coup, moi je vais vers là. Kata will be hard against Cho'Gath and all enemy composition. Safe and use. Oh, c'est tout. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Ok, bon, alors du coup, je vais petit warder par là. Faire gaffe. Ouh, oulala, il y a du monde ici. Il y a du people. Ils ont pas de trinket rouge, pardon, donc du coup ils vont pas pouvoir faire quoi que ce soit. Attention. 30 secondes avant l'apparition de Sbire. Et non, le first blood qui va être pris sur Lee Sin à mon avis. Oh non. Bon. Des sbires sont apparus. Bon 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 bon. Ça devrait se passer. Ça, du coup, je vais récupérer mon bleu. Je vais directement ganker au mid normalement. Et puis après, j'irai sur mon raid. Thank you. Voilà. Ça, je récupère la bandelette et let's go. Oh, putain, alors là, ça va être très dur parce que Cho'Gath du coup est déjà niveau 2 vu qu'il a récupéré de l'XP sur le Destin. Et le problème c'est que là, je vais pas pouvoir gank parce que... Ben, je... C'est bon, je lui ai fait quelques petits dégâts. Voilà. Mais le problème c'est que c'est quand même Cho'Gath, donc c'est assez résistant. Putain, sérieux quoi. Ok, la game commence très très mal. C'est pas grave. I'm in the shit. Ça c'est mieux déjà. Thank you. Well played. Donc bon, c'était pas... C'est vrai que c'était pas mal là du coup parce que du coup il a tué le Kha'Zix. Donc il a récupéré un blue buff du coup. Ouais, ça va être bien parce qu'il va y avoir plus de CDR. Je vais pouvoir gank directement sur la top lane vu que je suis niveau 3 et que tout le monde est niveau 3. Je vais ward un petit peu ce bush au cas où. Ouais, juste pour le faire peur, parce que de toute façon, j'arriverai pas à faire grand chose. Play safe, mon ami, là, il te saute dessus, tu crèves. 4, 3, 2... J'ai l'impression qu'il me voit le Panthéon, là. Sinon, à mon avis, il réagirait pas comme ça. Ah, le problème, c'est que toutes les lanes sont un peu dans la merde. Le bot se débrouille pas trop mal, mais Lucian est quand même assez low life, donc à mon avis, ça doit pas se passer non plus trop trop bien. Ah, ça va, il a réagi une masse de vie. Je fais clean ça. J'aurais pu aller faire mes golems. J'aurais dû aller faire mes golems plutôt.
Et là, Shogat, il va m'attendre au tournant. Non, même pas, il est même pas là. On va faire gaffe parce que là, clairement, j'ai plus de mana. Là, je suis tout nul, quoi. Le problème c'est que j'ai même plus de mana donc je vais même pas pouvoir... Putain, la galère quoi. Grosse galère quoi. Bon, l'avantage c'est que le Kha'Zix il a quand même un kill de plus donc il est plus en avant. Putain, il a juste 3 fois plus de stuff que moi quoi. We push too hard. Bot. War. Before. Push. Here. Parce que là clairement faut qu'ils fassent gaffe à Kha'Zix parce que s'ils font pas gaffe à Kha'Zix ils vont se faire gank et ils vont comprendre leur douleur. 3, 2, 1, smite. Allez smite. Bon. Alors, comment ça se passe sur les autres lanes? Le top en galère, mais Panthéon a plus de mana donc ça va. C'est vrai qu'en face ils ont plein de champions à mana, alors que nous on a vraiment strictement aucun champion à mana quoi. Est-ce que j'attends pour ça? Non, j'ai plutôt me payer des bots, des petites boots. Et je vais directement aller là. La Katarina se débrouille. Ah, ouais, elle a loupé un CS, mais bon, elle se débrouille pas trop mal au niveau du farm, j'ai l'impression. 34 à 34. Ça va, elle se débrouille pas trop mal. Le Lucian, elle se débrouille pas trop mal, j'ai l'impression. La Vayne qui part directement sur une New Moo, donc bon, ne faites surtout pas ça chez vous. Normalement, on part avec Biotarka directement. Oh putain! Oh non! Putain! Fais chier! Moi j'ai pas mon ulti, j'ai rien, je suis niveau 4, je suis tout nu quoi. Le Kha'Zix est toujours pas revenu. Ah bah tiens, quand on parle du loup, il apparaît sur la minimap. Il est niveau 4, donc il en a même pas que moi. Qu'est-ce qu'il a comme stuff? Ouais, il en est exactement au même point que moi. Il va push la lane, ça va servir à rien parce que je vais récupérer les CS. Enfin, ce que j'arriverai à récupérer. Kata want blue. Oh, I take it. Je lui demande si elle veut le blue parce que le problème c'est qu'elle est pas si bien que ça. Bon, elle aura pas non plus trop besoin d'un blue. Moi j'en aurais vraiment besoin parce que là mon mana descend vraiment vite. Ok. Donc là j'ai mon ultime. Ult ready. On my way bot. Parce que là il push. Et donc du coup... Allez, c'est bon. On a au moins récupéré ça. Voilà, ça c'est good. Well played. Ça fait un kill en bot lane. Faudrait qu'on récupère ça, mais il faut faire gaffe. Là, faut faire très très gaffe. Moi, je vais rester dans les environs parce que là, clairement, ça pue. Ça sent pas bon. Allez, je vais aller clean ça. Oh putain. Ker, ker, ker. Alors le Shogat, est-ce qu'il part tank ou est-ce qu'il part AP? Il part sur un séculaire, donc il part tank AP. Je vais smiter ça un peu tôt pour pouvoir récupérer ma... Oh non, sérieux! Je ne peux strictement rien faire! Can't jungle, c'est counter me. C'est vrai qu'en même temps j'ai essayé de rester juste pour récupérer le truc et flash après, sauf que le mec m'a silence donc... Play safe, what's up. Non, je peux pas m'acheter ça tout de suite, bon je vais aller là. Bon, fais chier.
clairement fait chier. En plus, c'est un at my red, I think. Ok, donc là c'est bon, je smite ça, nickel. Alors, moi je vais arriver là. Ok, ça c'est pas cool. Oh, oh bot, comment ça se passe? Ça se passe pas trop mal. Ok, c'est cool. Putain, le casier qui arrive derrière et qui récupère tout. Oh! Oh là là, le Lucien qui est déchaîné. Alors Lucian, il a le raid. Donc ça veut dire que le mec l'a fait. Donc j'arrive. Oui, excuse-moi. Excuse-moi, j'étais en train de calculer plein de choses. Putain, ça c'est pas bon. Ça c'est vraiment pas bon. C'était pas bon. Mais ça va, on s'en est sorti. J'ai récupéré mon retard un petit peu. Ah putain, merde. Ça pue, c'est pas good. Alors il en a combien de stacks? Il en a 3 stacks. Let's kill him now before he get all her stack. Enfin, il va falloir le tuer avant qu'il ait tous ses stacks d'ultime parce que sinon bah c'est juste inarrêtable quoi. Ok. Alors en deuxième, je sais pas quoi maxer, je vais maxer peut-être la bandelette à la limite. Là clairement j'ai l'impression que c'était wardé. Voilà, donc c'était wardé, là il sait que je vais venir donc je vais me casser. Je sais pas si elle l'a eu, c'est bizarre. Alors du coup, oula. Cassez-vous là clairement. Allez, moi j'ai besoin de mon blue. J'aimerais bien essayer de le garder. Je vais faire gaffe, je vais arriver par là. Faut pas qu'il, putain, faut pas qu'il push quoi. Ça va, elle s'en est bien sortie. Là ils m'ont vu hein, clairement. Bon alors là on va éviter de faire des trucs parce que... Nice. Ça c'est good parce qu'on a fait le dragon donc on a un bon avantage de gold.
putain, alors ça c'est pas bon par contre. Ok, on a réussi à faire des trucs, c'était pas trop mal. Qu'est-ce qu'il chase là? Qu'est-ce qu'il chase? Dommage, dommage. Ah, ils peuvent faire un truc. Kick-le! Il a pas son kick. Lino kick. C'était bizarre ce qu'il a fait, mon gars, c'était vraiment... Ah putain, non, c'est pas good. Not worth. Alors là, clairement, ils ont juste totalement démonté. Non, vraiment totalement. Ah, je me suis pris. Oh putain. Focus, Cho'Gath, 7/0. Là, il commence à devenir très très dangereux, le Cho'Gath, mais vraiment très 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 dangereux. Ça va être vraiment la merde. Qu'est-ce que je pourrais prendre du coup comme item? Ça fera du sale. Je vais écouter. On va partir sur ça. Ce qui est bien, c'est que Lucian 5/1 play safe. You can see ball. Ah, c'est bien parce que la Katarina, du coup, elle va arriver. Ah oui! Ça c'est vraiment bien joué de leur part. Alors... Mais là c'est dangereux, j'aurais besoin d'aide. Oh, putain, les dégâts qu'il fait à la tour. Je peux même pas venir, en plus je peux rien faire. Putain, c'est chiant. Ok, tant pis. Alors... I get no one assist. Non, j'ai pas dû dire ça parce que sinon elle va rager. Pourquoi t'as pick Katarina en gars 46 je dis. Bon, alors faut faire gaffe. All mid. Oh putain, mais... Le truc... Oh putain... Oula, 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 oula. J'étais mort, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Le plate. Shut down. Tell me why in cage. I don't know. Oui. Oui. Add Cho'Gath. Vraiment, faut vraiment qu'on focus Cho'Gath à mort parce que sinon il va nous embêter plus que trop. Pardon, je sais plus parler. Il me faudrait quand même un peu d'armure parce que le problème c'est que je suis fait totalement laté par je sais plus qui était là, je crois que c'était la Vayne. Mais bon, là clairement ce que je fais, le problème c'est que je suis un perso tanky donc je peux pas. Mon but c'est de crever quoi, c'est
Mon but c'est de tanker pour la Katarina et Lucianne quoi. Voilà, ça c'est récupéré. Un blue buff c'est pratique. Drake, seconde. C'est dangereux là clairement. Ah, le problème c'est que je me suis pris énormément de dégâts par la Vayne. No problème. On va partir sur quoi? Peut-être ça, ça pourrait être pas trop mal. Ah, mais ça donne surtout de l'ARM, donc ça donne pas énormément d'armor. Mais ça pourrait être bien pour après. Peut-être pas tout de suite, mais ça pourrait être bien pour après. Use that, I will exhaust me earlier. Fucking girls. No problem. Ah ouais, merde, putain. Alors je vais m'acheter la trinket rouge, parce que du coup je vais pouvoir déward. Bouge ton cul. Ah, Mumu, bouge ton cul. Un ennemi a été tué. Drake, done. Normalement c'est clair, ils vont l'avoir fait le Drake. Hein. Ok, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Well played. Donc ça c'est good si on a réussi à avoir ça. Ok, bon. Alors, comment ça va se passer? Je vais peut-être aller faire mon... Enfin, j'ai récupéré mon raid, du coup. Les wants raid. Enemy raid. Donc, clairement, si je le veux, je peux le prendre. Voilà, ça c'est fait. No problème. Putain, je me régène avec uniquement des auto-attaques. Ah ouais, mais d'accord. C'est que c'est un petit peu OP le... L'item de jungler est vraiment pas dégueulasse. Alors, je pense que cette game on peut la win. Je pense encore qu'il est pas trop dégueulasse. Enfin, le truc c'est que j'ai plein d'assists. Ça c'est vraiment good. Là je commence à avoir pas mal de gold, il me faudrait juste un tout petit peu plus. Pour m'acheter une cape solaire, ça serait cool. Cape solaire, ouais, ça peut vraiment m'aider. On va lui laisser le farm, ou pas.
Ah bah là t'es mort toi, excuse-moi mais... Ah, là c'est très bien, parce qu'on a... Ouh, il n'y a plus que Shogat en vie. Alors, allez. On peut le tuer. Là clairement. Ça c'est cool, allez, let's go. Petit Ace, au calme. Allez, c'est respawn back. Là clairement c'est pas bon du tout. Ah, faut qu'on se casse. Cassez-vous. Bon. BRB, 3K gold. Ouais, je vais faire. Il me manque juste 10 gold. Donc j'ai pu me récupérer le blue buff. Après quoi j'irai back. Ah c'est le quasi que ça arrive et qu'il me le smite, je suis pas dans la merde. Tout le temps un truc qui m'arrive. Bon là c'est bon du coup. J'ai mis un cap solaire. Ça devrait être pas de mal. Ça devrait être pas trop mal. Faudrait que j'arrive à parler aussi, ça serait cool. Cap solaire. Alors du coup, sur quoi est-ce qu'on peut partir? Parce qu'on a des stats réduites de 60% les dégâts de l'ennemi. Donc je vais partir sur ça pour que ma team soit plus résistante au choc 4. À mon avis. That's always boring when you need just... Ok, Ward Nash. Alors, Ah oh bah tiens, là s'il y a Kha'Zix, et qu'on arrive à le tuer. Non, on n'y arrive pas. Oh, les dégâts du Shogat, mon gars. C'est tellement hallucinant. Là, clairement, ils se sont pris Bagdad. Mais alors, Bagdad. Oh là là, 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 ouh là là, va pas trop loin toi, hein. Excuse-moi. Oh putain, la Kata qui est morte, quoi. Mumu and Katarina OP. Et voilà, GG well played. J'ai fait un score qui est pas trop dégueulasse, du 4-5-17, donc 17 assistants c'est pas trop mal. Et puis, ben voilà, du coup, argent 2, 80 LP, une game qui s'est pas trop mal passée, du coup, j'ai envie de dire, GG, well played. La Katarina qui a fait un très bon taf sur le dernier fight, donc là, de toute façon, c'était la game, on allait pêcher jusqu'à l'inib, et puis, de toute façon, ils étaient très mal. Le Lucien qui était vraiment très feed, j'ai essayé de gank au bot 2 ou 3 fois pour qu'il récupère des kills, il a récupéré un doublé, il a récupéré un triplé après, donc ça c'était pas grâce à moi, c'était juste parce que le Lucien, il avait super bien joué. Il a pris un surf qui est vraiment pas dégueulasse. Qui donc déjà Yomu dès qu'il active bah il va pouvoir lancer son ultime, c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Et puis bah il aurait pu prendre une trinité aussi après, ça aurait été pas trop mal. Là il partait sur du tanky après, mais il était vraiment bien stuff, il faisait vraiment masse de dégâts. Le Shogat aurait pu vraiment nous emmerder en face, mais c'est vrai que bon la DC. Oh, quoi que... Non la Vayne avait pas pris un stuff trop dégueulasse, mais bon le problème c'est qu'elle start sur une Yomu. Donc automatiquement c'est moins bien quoi. Beotarka elle aurait beaucoup plus de sustain, là elle avait strictement aucun sustain. Alors que le Lucian lui, bon il avait pris une lame du roi déchu. Je trouve que c'est pas si bien que ça une lame du roi déchu avec Lucian, mais bon. Je préfère prendre généralement lame d'infini, trinité, et puis après directement soif de sang. Comme ça tu fais d'énormes dégâts après avoir utilisé un sort. Et c'est le but de Lucian je trouve. C'est un one shot. Ben voilà, écoutez, une game qui s'est pas trop mal passée. Et puis voilà. Allez à plus.